Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler du platinium. Alors je sais que vous vous dites oui, mais on sait pas déjà si le patch de préparation au platinium qu'il y a eu la semaine dernière a corrigé des trucs. Réponse, au niveau du bois, eh bien... Oh, ben non, les arbres ils se plantent toujours quand on les coupe. Donc malheureusement, pour le moment, le patch de préparation au platinium nous a pas vraiment à être en confiance par rapport au bois, par rapport au bug qu'il y avait et qu'il y a toujours. Donc voilà, mais bon, les gars, on va partir quand même que ça va être corrigé. On va regarder ce qu'ils ont rajouté et en intro, je vous mets le garage trailer. Allez, c'est parti. Rated E for everyone. Les gars, oui, je suis hypé comme vous quand je vois le nombre de véhicules, les grosses pinces qui vont permettre de prendre des gros tas de bois, le Typhoon qui va y être maintenant de base dans le jeu. Putain, ça va être génial. Vous avez vu le gros Fenwick pour lever les palettes ultra lourdes de bois. La palette ne bouge pas ni rien. Putain, j'espère que ça va être comme ça dans le jeu, gars. Vous imaginez pas à quel point. On va regarder le petit schéma qu'ils nous ont fourni avec, qui regroupe donc toutes les nouvelles productions qu'il va y avoir. Donc vous voyez au centre, bien sûr, ils ont mis l'arbre, le tree. Et donc, ouais, je sais, j'ai un super accent, vous me l'enviez. Hein. Bref, donc, si vous regardez, première production à gauche, la Paper Factory. Donc ça va être une production qui va nous permettre de faire des rouleaux de papier et des rouleaux de carton. Donc ouais, sympa. Moi, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Si on va à droite, on voit qu'on va vers le Wood Turner. Donc ça, c'est un tourneur à bois. Donc ça va nous permettre de faire des staircase railing, donc des balustrades, des moulins à poivre ou des bols. Donc ça, on pourra le faire soit en mettant du bois directement, soit en mettant des planks. Voilà. Ensuite, on aura une nouvelle scierie. Donc cette nouvelle scierie, la sawmill, nous permettra de faire des murs préfabriqués, des poutres, je crois, wood beams, si je dis pas de bêtises, et les wood chips, les copeaux. Donc, grâce à ça, on pourra faire aussi des planks et des boards. Alors, la différence, je crois que ça doit être planche et planchette ou quelque chose comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, à gauche, on a une autre production, le Flooring Factory, donc la fabrication de sol. Donc, il faudra y mettre des planks et des boards. Ensuite, on aura le Shingle Factory. Alors ça doit être le toit, je pense. Et du coup, il faudra y mettre du flooring, ce qui sort du Flooring Factory pour le mettre dans le shingle, j'ai l'impression. Ah non, c'est des planks, pardon. Il faudra mettre des planks pour pouvoir faire des Shingle Factory.
Ensuite, on aura une autre production qui sera la production de tableaux et de chevalets, le Picture Frame Factory, où il faudra y rendre seulement des planks. Ensuite, on va repartir en haut à droite, les gars. Donc vous voyez, ils ont ajouté le minerai de métal, Iron Ore, qui va nous permettre de faire du métal dans une Iron Furnace. Une forge. Donc vous trouvez du métal, vous le mettez dans la forge, et quand vous allez pouvoir après, avec la production de Barrel Factory, y mettre du métal plus des planks pour pouvoir faire des barils, des seaux et des baignoires en bois. Ouais, pourquoi pas. J'aurais pas pensé au bathtub, honnêtement, mais bon. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire avec le métal? Si vous regardez, on a le Fancy Furniture Factory, donc qui va nous permettre de faire des armoires, des chaises et des tables. Donc, il faudra y rentrer du métal, des planks et des boards. Donc, ça sera pas mal. Et enfin, pour finir, vous avez le Pet Accessoire Factory, donc qui va nous permettre de faire des cabanes à oiseaux et des maisons pour le chien. Et sachant que pour ça, il vous faudra uniquement des planks. Et si vous voulez faire un arbre à chat, il vous faudra des planks plus de la laine. Donc oui, ils ont rajouté le chat pour le platinium. Ça sera comme le chien, hein. Ça servira à rien, hein. Mais ça sera là pour décorer, quoi. Donc tant que c'est un plus, moi je dis, c'est bien. Donc voilà pour toutes les nouvelles productions qu'ils ont ajoutées. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a des bonnes idées. Surtout que c'est pas des trucs qui vont servir à rien. Il y a des trucs qu'on pourra seulement vendre. Et il y a des trucs où on va pouvoir faire un roller caster. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, on pourra faire un tour de manège, mais il faudra d'abord finir de le construire, parce qu'il est en construction seulement. Donc, vous voyez qu'il y aura 3 étapes avant de pouvoir finir ce roller caster. Donc, première étape, il nous faudra environ 60 000 litres de wood beam, de board, de planks, de métal, de sol et de balustrade. Une fois que vous aurez fait cette étape, l'étape 1 à 4, donc plutôt 4 étapes, vous aurez l'étape 5, où vous allez devoir mettre du wood beam, des boards, des planks, du métal, des sols, des murs préfabriqués, des balustrades, des chaises, des tables. Ah ouais, mais en fait, il faut tout. Des toits, des barils, des seaux, ok. Tout ça pour à peu près 5800 litres, donc ça ira beaucoup plus vite. Et la dernière étape, les étapes 6 à 11 plutôt, il vous faudra remettre des wood beams, des boards, des planks, du métal, des murs préfab, des balustrades, des chaises, des tables, de la toiture, des barils et des buckets. Une fois que vous aurez... Mais déjà les gars, ça, on parle de 60 000 plus 31 plus 5 000, donc on est quasiment à 100 000 litres, mais de trucs produits. Ça veut dire qu'en bois, à mon avis, ça va être plutôt 300 ou 400 000 litres de bois, je pense. Peut-être moins si c'est un peu cheaté. Mais voilà, je veux dire, c'est du produit transformé. Donc ça va vous demander quand même de couper 2-3 arbres, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais une fois que vous l'aurez fait, eh bien, vous pourrez faire un tour de roller coaster. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, je trouve que l'idée est intéressante. Bien sûr, c'est à rajouter au gameplay qu'on avait déjà vu, dont on a déjà parlé la dernière fois, c'est-à-dire la fabrication de bateaux. Donc ouais, je suis hypé les gars, parce que ben, en plus de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a la fabrication de bateaux, on a un nouvel outil pour pouvoir casser les roches sur les maps. Donc ouais, je trouve que il y a des trucs quand même hyper intéressants dans le Platinum, surtout si on prend en compte aussi le nombre de véhicules qui a été rajouté. Il y a des trucs vraiment, vous avez vu les gros véhicules avec les grosses pinces qui vont nous permettre de prendre les rondins, on va pouvoir les prendre par paquet de 10, 15, ça va être génial. Honnêtement, je suis hyper hypé, j'espère juste que les bugs des arbres qui se plantent dans le sol quand on les coupe et tout vont être corrigés. J'ai un peu peur, je vais pas vous le cacher. Quand je vois qu'ils n'arrivent pas à maîtriser les palettes,
La tyrolienne me fait peur, les gars. J'ai peur qu'avec la tyrolienne, les arbres, les rondins, ils finissent sur la lune ou un truc comme ça. Mais bon, ça, on verra. De toute façon, il reste quoi, 10 jours à attendre, les gars. Donc, allez, on se prépare. Moi, je suis chaud, je vous le dis. Ça me tarde vraiment. J'espère que vous aussi. Dites-moi en commentaire. De toute façon, ouais, dites-le moi en commentaire. Mais je vais même mettre un sondage pour savoir qui va acheter le Platinum et qui ne l'achètera pas. En tout cas, les gars, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut !